Alors, bonjour Karina. D'abord, un grand merci d'être là pour tous nos fans et c'est super sympa d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, je vais nommer chaque personne qui a posé des questions. Il y en a toute une série de Lucie. La première, donc, elle parle des films dans lesquels tu as participé autour des questions. De Frontières, Alice Nevers ou encore des poupées et des anges, vos rôles sont à l'opposé total. Comment vous préparez-vous pour ces différents rôles? Ça dépend des rôles. C'est vrai que j'ai eu des préparations spéciales pour des films comme Frontières. En plus, c'était au début où je commençais, donc il fallait que je me plonge complètement. Dans un certain univers, c'était un film très physique, donc il a fallu que je fasse beaucoup de sport, c'est très violent, donc après c'était très différent de moi. Pareil pour Des Poupées et des Anges, là très différent, il a fallu que je sois une espèce de petite bimbo des cités, il a fallu que je m'inspire d'autres de certains personnages, mais plus ça allait, quand plus j'ai avancé dans l'expérience et en âge, disons même par exemple pour Alice Nevers, pour Alice Nevers, la préparation n'est pas du tout la même. C'est pratiquement. Enfin, c'est-à-dire, c'est moi, bien sûr, dans les faits, c'est pas moi. Je ne suis pas aussi machiavélique. On va y venir. Mais concrètement, là, il n'y a pas de préparation. C'est très simple. Il faut que ce soit le plus simple possible. Il faut que ce soit quotidien, que ce soit juste. Et que juste que je sois crédible pour le rôle. Et il n'y a pas non plus. Aller chercher mille choses, à part si effectivement je dois tenir un revolver et que j'ai pas l'habitude, là il faut que je m'entraîne. Mais c'est pas du tout les mêmes préparations que pour même Kabuki Kitchen, où là j'ai un accent, où je suis plongée dans un pays qui n'est pas le mien. Voilà. Je te ça reste très nature. Oui, c'est le plus proche de la nature. Alors, une deuxième question de Lucie, aurons-nous la chance de vous voir dans d'autres rôles en 2017? Alors oui, j'ai fait un film. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je n'ai aucune idée. Il s'appelle Vaurien. Donc ce sera au cinéma. Ça sortira en 2017, je pense. Parce que je vais tourner un autre film cet été. Mais à mon avis, ça sortira en 2018. Non, c'est la chose. Voilà, ça s'appelle Vaurien et c'est pour le cinéma.